présenter une petite extension de navigateur sous le navigateur Chrome qui va te permettre de reprendre la maîtrise sur ton temps. Si tu arrives de faire défiler les réseaux sociaux et puis te rendre compte qu'après 1 heure, tu es toujours sur le site et que ça ne t'a rien apporté, voire même que ça t'a desservi, eh bien cette extension va te permettre on va dire, te reconditionner. Puisqu'elle va afficher à partir d'un moment aléatoirement quand tu vas défiler la page un message qui va te faire te demander si ce que tu fais c'est bien ce que tu devrais être en train de faire. Je pense que les interfaces sont conçues de sorte à ce qu'elles nous conditionnent à ce qu'on reste sur le site le plus longtemps possible. Donc je pense qu'on nous vole notre temps et ce petit outil est un moyen comme un autre pour reprendre le contrôle sur ton temps. Donc ça s'appelle Infinite Scroll Blocker. On va l'installer via le Chrome Web Store. Voilà. Je pense que ça vient de sortir parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'utilisateurs. Et on va faire une démonstration avec Facebook par exemple. Je vais rafraîchir la page au cas où. Et je vais commencer à défiler. Voilà, je perds mon temps. Tout ce contenu. Voilà. Should I be doing this? Mais je vous laisserai. Est-ce que on devrait être en train de faire ça? Je vous laisserai décider lorsque le message s'affichera pour vous. Voilà, l'extension est très simple, très légère. Elle s'installe en 1 minute. On déplore que pour l'instant, il n'y ait pas énormément d'options. Puisque je trouve qu'il manque, d'ailleurs je l'ai dit dans les avis, mais je trouve qu'il manque une exclude liste qui nous permettrait d'exclure un site, puisque pour l'instant, je pense que ça s'effectue aléatoirement sur tous les sites où on scrolle. Ici ça ne le fait pas, mais si je vais par exemple sur Wikipédia, je prends un article au hasard, je crois que ça va le faire. Non, ça ne le fait pas. Je ne sais pas comment il a conçu son application, mais je suis certain que sur YouTube, ça le fait. Imaginons que je regarde une vidéo de Fabien Olicard. Je vais lire les commentaires. Voilà. Je vous laisse l'essayer et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, je vous dis à une prochaine, salut!